Eh ben bonjour à tous, bienvenue dans ce direct Facebook de la place du village. Légèrement différé, hein, excusez-nous, hein, c'est pas tellement en direct car le réseau n'est pas trop bon. Nous sommes donc en direct depuis le col de la Forcla, c'est en Haute-Savoie, c'est au-dessus d'Annecy. Pour ceux qui connaissent, ça c'est dans le 74. Avec aujourd'hui, en ce lundi 12 février, le soleil qui est au rendez-vous. Avec quelques petits flocons de neige qui se sont un petit peu estompés il y a quelques instants. Et vous pouvez voir sur ces images que la neige, regardez, c'est magnifique, avec le soleil qui donc est au rendez-vous aujourd'hui sur le sommet donc du col de la Forcla. Vous voyez donc les voitures enneigées, bien entendu, et ce très très beau paysage. Alors on va se promener avec vous pendant ce reportage à travers donc ce col de la Forcla. Peut-être que vous connaissez en été, et qui est aussi notamment beaucoup donc abordé en hiver, bien entendu. Alors on va donc on va monter assez haut pour vous proposer de très belles images donc sur du côté donc du col de la Forcla. Voilà, regardez, c'est des très très belles images qu'on vous fait proposer aujourd'hui, avec un super soleil, le soleil qui est au rendez-vous aujourd'hui sur le sommet en ce lundi. Voilà pour ces de très très belles images, hein. Regardez, c'est magnifique, avec un soleil un peu voilé, mais le soleil qui est quand même au rendez-vous aujourd'hui sur les hauteurs du col de la Forcla. Regardez, c'est très très beau, donc avec donc un très très beau soleil qui brille actuellement. On va essayer donc de vous emmener avec une vue peut-être que vous connaissez, derrière le chalet de la Pricase, un chalet de la Pricase restaurant très connu sur ce sommet. Allez, je vous emmène tranquillement à travers donc ces très 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 belles images donc du côté du col de la Forcla. On monte, regardez, vers le restaurant de la Pricase, regardez. On monte tranquillement. On a pris un stabilisateur d'images, hein, pour vous proposer des images de rêve de très très bonne qualité aujourd'hui, en 4K en plus, pour encore plus apprécier ce reportage. Alors là, on va vous faire découvrir cette très belle vue, peut-être que vous connaissez. C'est juste derrière le restaurant, le chalet de la Pricase, hein, qui est juste là, regardez, voilà. Avec un soleil, un peu de nuages. On va voir le lac d'Annecy de plus près. Voilà, on arrive tout doucement sur cette vue que vous avez juste à côté du chalet de la Pricase. Vous voyez qu'il y a énormément de neige, hein, pas facile à marcher dedans. Là vous avez plus haut, ben, le départ des parapentes, hein, en été. Vous voyez, parapente tandem, avec beaucoup de départs de parapente en été. Et puis là, je vous emmène juste au bord de ce grillage pour vous faire découvrir ce très très beau panorama. Voilà, regardez, avec le lac d'Annecy juste au bout, regardez, c'est magnifique, avec un décor de blanc. Voilà, de très belles images en ce lundi, on a de la chance, il y a du soleil, alors on en profite pour vous faire découvrir ce paysage en hiver. Des fois on y vient en été, hein, vous avez vu peut-être différents reportages sur Facebook sur le col de la Forcla. En été, et ben là, regardez, c'est complètement beau du côté de l'hiver, avec le soleil, regardez. Et oui, la pointe bleue, hein, regardez, le ciel brille en bleu quand même, c'est magnifique. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu, avec le drapeau de Savoie, juste au bout, regardez, oui, le drapeau de Savoie qui est juste au bout de ce restaurant. Très très connu par les touristes.
Voilà, mais vous voyez que le temps est très très chargé aujourd'hui, mais le soleil a quand même réussi à pointer son bout du nez en cet après-midi. Les arbres enneigés, bien entendu, car il a pas mal neigé cet après-midi sur le col de la Forca. Là, c'est un petit peu estompé. Peut-être le temps qu'on monte ici, peut-être. Voilà pour cette petite vue qu'on vient de vous faire profiter avec ce décor enneigé. Il y a énormément de neige là où je suis, c'est pas facile à marcher. Heureusement qu'on a pris le stabilisateur pour... Allez, regardez, on fait encore plus. Allez dans les petites ruelles, regardez, c'est magnifique. Ça nous donne de très belles images. Tout est calme, il n'y a personne, je vous rassure. C'est vraiment agréable de venir ici pour passer un moment de détente. Voilà, alors là on revient sur la terrasse de la brasserie où il y a, voilà, avec donc ce fameux chalet de la Pricase où on mange des bonnes fondues, des bonnes raclettes, tout du bon comme on dit, tout du bon. Voilà, avec ces toits enneigés, ces arbres aussi enneigés et ces montagnes, regardez, c'est magnifique que vous pouvez voir sur ces images que je suis en train de vous... On marche en même temps, hein. On fait une petite visite quand même du col de la Forca si vous connaissez pas. Avec un chien qui est en train de nous suivre. Voilà, on va donc un peu plus se rapprocher donc du côté de ce col sous le soleil aujourd'hui que vous pouvez voir en direct si vous nous suivez. On y vient souvent en été aussi pour vous proposer des images et là aujourd'hui on en a profité pour vous faire découvrir donc ce très beau paysage de la place du village. Voilà. Ah, c'est la place du village. Oui, c'est pour Facebook, ouais. Voilà. Voilà pour ce quelques images qu'on voulait vous faire découvrir aujourd'hui. Depuis le col de la Forca, donc avec le restaurant Edelweiss, voilà, donc il y a des touristes qui nous ont demandé pour quelle émission on était là. Voilà la place du village qui est quand même donc très connue dans nos pays de Savoie. Voilà, avec cette fois-ci des... Là, on redescend vers le restaurant Edelweiss qui est très connu aussi, hein, très prisé par les touristes en été comme en hiver. Voilà, avec un paysage toujours magnifique. Donc sur... les hauteurs. Donc du col de la Forca, voilà, on approche donc du restaurant Edelweiss, peut-être que vous connaissez. Très bon restaurant avec une vue panoramique sur le lac d'Annecy. On marche en même temps que vous, en même temps pour vous proposer ces belles images. Aujourd'hui, soleil et neige qui nous propose la météo aujourd'hui. Donc on va aller jusqu'à cette très, très très belle vue. On va même terminer avec cette très belle vue pour ce reportage en différé malheureusement car le réseau est pas très très bon aujourd'hui en raison des conditions météorologiques. On va essayer de vous faire allez, on monte, suivez-nous. Voilà, avec la terrasse panoramique, hein, du restaurant Edelweiss. Jumelles, hein, si vous connaissez. Et puis là, vous avez ce fameux lac d'Annecy. Voilà, le fameux lac d'Annecy et ses arbres blancs depuis le restaurant de Edelweiss. C'est une très belle vue panoramique. Regardez, c'est très très beau. Regardez, c'est magnifique. Avec ces arbres enneigés notamment. Le soleil est au rendez-vous. On a de la chance pour ce reportage.
Voilà. Voilà pour ces super belles images qu'on voulait vous faire partager ensemble aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter sur ces belles images avec le lac d'Annecy et les arbres blancs. Merci à tous de nous avoir suivis. D'autres reportages, bien sûr, sur cette page Facebook. Et n'oubliez pas, notamment, la place du village à la télévision sur Mont Blanc Live TV avec Jean-Noël et Philippe qui vous emmènent dans de somptueux petits villages hiver comme printemps ou été ou même automne. Donc, c'est tous les jours sur MB Live TV à 18h, 20h30, 23h, le lendemain à 9h et à midi. Et aussi sur Facebook car vous êtes plus de 37 000 à nous suivre sur notre page Facebook. Merci à vous tous. À très vite pour un prochain reportage de la place village. Merci à vous tous.